les blagues. Let me put you up there. Allô, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. I'm back on track, ok? I am back on track. Et je veux commencer avec un petit haul. En fait, j'ai commandé plein de nouveaux morceaux sur Revolve. Et je vais vous dire aussi que vous pouvez magasiner My Revolve Favorites, My Revolve Links sont toujours, toujours disponibles et available. Est-ce que vous êtes croche? Je pense que non, je pense que ça va. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ok? Premièrement, je me suis acheté un bodysuit noir. J'adore les bodysuits du Revolve parce que sont double lining. C'est-à-dire qu'il y a deux couches de tissu et non juste une couche. Fait que si vous voulez mettre sans brassière en dessous, c'est parfait quand c'est vraiment doublement ligné. Doublement lined en fait, là. Fait que c'est comme tu sens qu'il y a deux tissus de chaque côté, un de chaque bord. Et ce que j'aime, c'est que j'ai pris celui avec les cutouts, comme vous pouvez voir ici. Je vais aussi vous insérer des clips de moi qui essaye les morceaux. Mais ça, je trouve ça tellement beau parce que il y a vraiment comme le cercle au niveau du collet et au niveau des hanches. Puis j'aime avoir des bodysuits noirs, basic, mais qui ont une petite touche extra parce que justement, je peux les mettre avec des pantalons, des trousers, puis ça rajoute un petit quelque chose, ça va juste élever ton outfit for a night out. Puis si vous voulez que ça soit plus classique, ben avec un veston, ça cache les petites côtes qui sont ouvertes. Et la marque Superdown, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est la marque maison de Revolve. Alors quand vous achetez quelque chose, c'est comme à l'épicerie, quand t'achètes la marque maison, c'est toujours un petit peu plus abordable. Fait que j'aime beaucoup la marque Revolve au niveau rapport qualité-prix. J'adore la marque Superdown. Fait que ça, c'est un bodysuit que j'ai pris size medium. C'est vraiment true to size. Ensuite de ça, encore dans Superdown, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'ai vu cette robe-là. Et je vais vous montrer un peu. C'est vraiment cute. Il y a comme un petit collet que tu peux attacher de même. Fait que c'est une robe t-shirt, mais avec un little twist. Une robe t-shirt, on s'entend, c'est quand même un basic, c'est un morceau de vêtement assez simple dans sa garde-robe. Mais ce qui est vraiment cool, encore une fois, j'aime beaucoup les cutouts en ce moment. Souvent, vous avez remarqué sur mon Insta, j'ai plein de robes découpées. Elle est comme vraiment coupée au niveau des upper abs. Et ça, c'est où ce que moi, j'ai ma ligne d'abdos, puis c'est comme une partie que j'aime mettre en avantage, tu sais, que j'aime mettre de l'avant sur ma silhouette. Puis ce que j'aime aussi, que je capotais sur cette robe-là quand j'ai vu ça, c'est qu'elle a toute la bande élastique scrunchy sur le côté. Ça, ça fait vraiment une belle silhouette aussi parce que ça crée comme plein de plis dans la robe. Puis je trouve vraiment que c'est beau. Vu que ça fait vraiment longtemps que je travaille dans le domaine de la mode, je suis quand même habituée de regarder sur internet, de magasiner sur internet des trucs que je sais qui vont bien m'avantager. Fait que si vous avez une shape similaire à la mienne, c'est vraiment le genre de robe qui va bien vous avantager. Et encore une fois, le collet qui est ouvert au niveau de la poitrine, chose que j'aime vraiment dans les top en ce moment, avec un petit détail argent, ça rajoute, comme je vous dis, un petit truc extra pour des morceaux de vêtements qui sont quand même simples. J'ai pris une medium super down, love that. Fait que ça, c'est les deux morceaux noirs que j'ai acheté. J'ai pris un petit top tube comme ça, vert, tellement beau, mais attendez, le better thing, c'est qu'il y a les gants qui marche avec pour un de mes outfits de Noël. Je pense que je vais mettre ça soit avec une longue jupe en satin, soit noir ou blanche ou beige, ça serait écœurant. Ou je vais le mettre avec des pantalons, mais comme à quel point c'est hot parce que t'as le top pis les gants, la qualité est insane. Il est vraiment stretch, chose que j'aime, because I have big boobies, as we know. Et ça, c'est un size medium avec une petite bande adhésive. Ça, c'est vraiment un must. Il y a aussi des petits trucs comme de métal pour vraiment have the support that you want and need. Tellement cute! Je l'aime vraiment, j'ai trop hâte de l'essayer. Fait que ça aussi, je vais tout link down below si jamais ça t'intéresse. Prochain item, un autre bodysuit. J'adore les bodysuits. J'ai jamais trop de bodysuits dans la vie. Mais chose à propos des bodysuits, je les attache jamais. Genre, moi, j'attache jamais cette partie-là. Je laisse tout le temps détaché. Genre, je le mets comme juste comme un long top, dans le fond. Fait que ce que j'aime, c'est en fait, c'est un soutien ouvert, un caché avec le cut-out. Encore une fois, on voit que j'ai vraiment une thématique cut-out. Mais je trouve ça tellement beau avec un blazer. Je vois ça avec genre un blazer soit brun. J'en ai un vert en cuir qui serait vraiment beau. Une belle paire de jeans. Il y a un petit détail de baie gold comme ça qui rajoute un petit effet que j'adore. Fait qu'il y a aussi une petite baie. La bretelle est ajustable. C'est un size medium, couleur brun. Parfait pour l'hiver. Je voulais quand même des morceaux extra pour the winter time that is around. Et l'autre chose que j'ai pris, c'est un petit top rose comme ça, parce que j'ai beaucoup
de rose fuchsia. En fait, j'ai vu que la bretelle, soit je peux la mettre autour de mon cou, c'est quand même une longue bretelle, je peux le twister, je peux le mettre comme je veux, c'est un super down medium, mais j'ai beaucoup de jackets de cette couleur-là, puis j'avais jamais un petit top de cette couleur-là pour mettre avec. Je pense en fait même je peux même le mettre sur une épaule, même quand je vais l'essayer, je vais vous montrer. Puis je voulais juste un petit top vraiment basic pour aller avec mes manteaux et les choses que j'ai déjà. J'essaie tout le temps de regarder dans mon garde-robe ce que j'ai, puis qu'est-ce que je pourrais compléter lorsque j'achète des morceaux en ligne. I wanna see what can match for a future outfit. Et le dernier piece que j'ai pris, que je vais vous montrer, j'ai plusieurs événements qui s'en viennent. Je sais pas si je vais la mettre d'ici Noël ou après. Je sais que j'accompagne Gab dans un super beau bal gala dans un de nos prochains voyages que je vais vous parler dans un prochain vlog. Mais j'accompagne Gab dans un congrès qui est vraiment un très très gros congrès dans son domaine, puis il y a un bal. Fait que je me suis dit peut-être ça pourrait être ça, mais peut-être sinon je vais la mettre, j'ai d'autres events et tout. Fait que je sais pas à quel point le bal est chic, j'essaie de stocker sur les années d'avant, comment le monde s'habillait pour me fier là-dessus. Sinon je vais le mettre à un de mes parties de Noël ou même en voyage parce que je m'en vais en Floride comme vous savez pour le temps des fêtes. Fait que ça c'est une robe tellement avantageuse. Encore une fois, le tissu pour moi c'est vraiment vraiment important, je lis tout le temps les compositions, puis ça je savais que ça allait être débile sur moi. Les petits, comme je vous dis, les petits comme scrunch qu'ils mettent, puis que ça fait vraiment des lignes, c'est la chose la plus avantageuse si vous avez un hourglass figure like me. Moi j'ai vraiment une shape en sablier qu'on appelle, fait que j'ai vraiment une taille qui est très étroite. Tu sais, comme au niveau de mes tailles c'est étroit, mais mes hanches sont larges et mes épaules, ma poitrine sont plus larges. Fait que ça c'est tellement avantageux. Je sais pas si vous voyez, il y a le cutout. C'est vraiment ce que j'aime. J'aime avoir des morceaux de vêtements qui sont très classiques mais sexy en même temps. I'm young, I wanna enjoy my body and myself. Puis je trouve que c'est tellement beau de juste comme own your silhouette and rock it. Alors c'est quand même nouveau pour moi, j'en ai parlé un peu dans mon podcast sur l'épisode de la confiance, et cette année it's all about that. Alors je sais pas, je trippe vraiment sur cette robe là, comme je me voyais dedans, elle me donnait vraiment comme like a sexy and classy vibe. Le brun avec les bretelles, encore une fois size medium, la qualité est insane. J'ai déjà hâte à un événement pour pouvoir la porter. Enfin, je mets tout ça en bio si jamais ça vous intéresse de magasiner. Puis sur ce on continue le vlog. Hey besties, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé un fou stationnement. Tu sais que c'est une good day quand tu trouves un parallèle parking super proche de ton event. Puis je suis tellement excitée parce que ces temps-ci, pour vrai, je book vraiment des fous events. Je me fais vraiment inviter à des beaux events. Je suis tellement reconnaissante. C'est comme des années de travail, puis t'es comme yes, I'm finally on the list of that brand. C'est tellement hot, surtout pour une fille qui a commencé dans l'univers des blogs et tout, la beauté, c'est tellement partie de quelque chose que j'adore, le make-up et tout. Puis comme vous avez vu, j'étais à l'événement de Charlotte Tilbury, et là je suis invitée à un private lunch vraiment intime avec Armani Beauty. Donc Armani Beauty, what is going on in my life? Comme je m'en vais manger avec l'équipe d'Armani, wow, je capote. Fait que là je suis vraiment downtown, c'est Café Holt. Alors je suis vraiment comme dans le gros trafic, vous savez c'est quoi downtown, so fun. Puis il y a ben, ben de l'action, mais je suis vraiment excitée, tellement honorée, tellement comme wow, un rêve devenu réalité. J'ai dit à ma mère que j'allais manger avec Armani. Puis ma mère, Gab et moi, on a toutes des parfums Armani, on capote sur Armani. Moi j'adore le fond de teint, je le porte en ce moment, le fond de teint Luminous Silk de Armani. Puis c'est juste comme tellement hot quand t'es une fan d'une brand, d'être invitée après, de faire partie de leur liste, d'être invitée à des événements comme ça, je trouve ça tellement précieux. Fait que ouais, c'est tout grâce à vous, cause you like my content. Je vous amène avec moi à l'event. De faire des commissions, puis je vais vous faire un little haul. Ok, j'ai été à la pharmacie en premier, puis je me suis acheté deux Beauty Blender QO. Je les ai jamais essayés, fait que je me suis dit que I must give it a try. J'aime beaucoup celui du Morphe, donc je me suis dit que ça allait être la meilleure option pour les essayer. Puis c'est ça, dans le fond, I just got these. Ensuite de ça, j'ai racheté mon mascara L'Oréal Télescopique, qui est vraiment le meilleur, le noir. Normalement, j'aime aussi le tube noir, mais il n'y en avait plus. Ça, c'est mon gloss préf, ok? J'en ai acheté deux parce qu'il est en rabais à 9,99$. C'est le 003 Moon de Maybelline, my favorite gloss. Normalement, je pense qu'il est comme 15$, puis là, il était à 10$. So, j'en ai acheté deux. Puis j'ai vu que QO faisait ça ici, qui me fait vraiment penser au genre Dior lip truc que tout le monde a, là. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu de quoi je parle. Je vais l'essayer. Je l'ai jamais essayé, mais ça m'a vraiment fait penser au truc Dior. So, I'm gonna give it a try. Ça, c'est ma pâte à dents. Bref. C'est tellement nowhere, mais moi, j'aime vraiment savoir ce que le monde utilise comme affaire. Puis ça, j'aime vraiment. Ça, c'est genre mon déo favori aussi, comme en spray de même. Love that.
Après ça, j'ai acheté des petits goodies à l'épicerie pour compléter un peu ce qui me manquait. Parce que je vous ai dit, je pense, dans l'autre vlog, que j'essaie de plus manger qu'est-ce qu'il y a dans mon congélateur. J'ai vraiment beaucoup de bouffe. Fait que faut que j'essaie d'acheter plus intelligemment puis plus de compléter qu'est-ce que j'ai. Fait que là, j'ai acheté des ingrédients qui me manquaient pour compléter une salade grecque. J'ai déjà le fromage feta et tout. J'ai acheté du fromage de chèvre parce que je vais faire des courges avec du chèvre et des amandes tranchées avec de la cannelle, des petites épices puis de l'huile d'olive. Ça va être vraiment bon. Je fais un souper fondu avec ma famille dimanche. Fait que j'ai déjà acheté la viande à fondue. J'ai déjà des champignons, des trucs du genre. Fait que ça, ça va être comme l'accompagnement aussi que je vais faire. Quand j'ai pas le temps de commander son espresso, j'aime ça acheter aussi les cups Starbucks, comme ça, sont disponibles au IGA, puis sont vraiment bonnes, fait que ça fait comme un petit café Starbucks à la maison. Salade citron pour me faire ma petite eau citronnée le matin, des clémentines pour les lunchs à Gab, ça c'est genre mes chips préf du moment, puis eux c'est mes all-time que je capote dessus, mais ceux-là, là, so yummy. Du tofu pour faire un genre de pokeball, c'est toujours bon à avoir. Moi, je prends du tofu mi-ferme, c'est le best, puis je le fais vraiment comme grillé, croustillant, avec des épices. C'est vraiment ça qui va donner la saveur au tofu. Puis, j'ai acheté ça aussi pour faire ce soir un petit dépanneur, des rosettes d'escalope de bœuf comme ça, fait qu'elles sont déjà toutes roulées, j'ai pas besoin de les faire moi-même. Des fois, je les fais moi-même, mais quand elles sont toutes faites comme ça, ça vaut la peine aussi juste pour avoir un petit quelque chose quick to eat. Fait que ouais, I'm gonna clean this, puis on se rejase tantôt. Ok, besties, alors j'ai préparé moi-même toute la bouffe pour mon premier événement bestie. Je voulais faire un événement avec 20 d'entre vous, qu'on puisse être ensemble, passer du temps ensemble. C'est vraiment comme si je vous recevais chez moi. Donc, j'ai fait un plateau de fromage. Un truc que je pourrais vous dire, si vous hostez, c'est toujours essayer de couper le plus possible vos choses. J'ai déjà tout coupé ce fromage-là, tout coupé le brie aussi, c'est plus facile pour les invités. J'ai fait un plateau de tout ce qui est craquelin et tout pour mettre avec les charcuteries puis le fromage. Un plateau de charcuterie avec des pâtés. Après ça, j'ai mouvant plus des trucs sucrés déjeuner. Ici, on a croissant chocolat, croissant, des petits madeleines au citron. Ici, on a des biscuits à l'avoine avec des petites gaufres. Puis on a trois gâteaux ici que je vais couper demain, comme des pains au chocolat, pain à la vanille. J'ai aussi acheté des gros magnums. Des gros 1 litre de petits mousseux, puis j'ai acheté des jus d'orange. Tout ça, c'est comme les assiettes, les coupes. Tout ça, on s'en va porter ça. On fait déjà un premier voyage au salon de coiffeur, l'atelier. C'est là qu'il va avoir lieu mon petit brunch. Ok, donc on entend les petits chiens manger dans les bols. On garde le chien des parents à Gab. And they're eating now. Mais on a commencé à tout sortir nos trucs de Noël. It is the time of the year. Good morning. I just worked out. Puis mes cheveux sont quand même restés intacts, mais on peut voir c'est un peu greasy on top. Fait que je vais juste refresh avec du dry shampoo. Mais j'ai fait mon 30 minute incline walk. Et honnêtement, je sais que mes workouts sont un peu plates, mais c'est la seule chose que je suis capable de faire de façon consistante, mon incline walk. C'est genre la seule chose que je suis vraiment capable de faire for real. Quand je fais comme un gros workout, on dirait que la motivation est pas tout le temps là. Mais marcher incliné pendant 30 minutes, j'écoute une émission, j'écoute un podcast, je suis comme capable de le faire rentrer dans mon horaire and it works for me. Alors je vais continuer with that route of little workout. Puis là, je vais faire ma skincare. J'ai la peau tellement sèche. Je sais, je pense que j'en ai parlé dans un autre vlog, mais le changement de saison, pour moi, ça le fait vraiment pas. Puis là, j'essaie un nouveau produit, c'est le Multi-Active Toner Refreshing Hydrating Mist de Dermalogica. J'aime vraiment les produits qu'ils m'ont envoyés. Oh my god, ça sent tellement bon. Oh my god, ok. C'est la première fois que je l'essaye. Obsessed, ça sent comme un peu l'orange. Oh mon dieu, je me sens genre déjà réveillée. Ok, love that for me. Donc, je vais mettre ma petite crème hydratante de la neige. C'est la crème vitamine C. Je suis comme dans le thématique vitamine C orange. En plus, j'ai des oranges dans le frigo. Je vais aller m'en prendre une, ça va me faire du bien. Fait que ouais, c'est ça, je vais faire ma petite little skincare routine. Morning routine, c'est comme mon petit rituel. Vous savez que je suis vraiment a morning person and a routine person. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la routine et j'ai appris à aimer la routine. Avant, j'aimais pas la routine. Puis parfois, j'aime quand même switch my routine dans le sens que je vais faire des petits trucs différents. Mais je garde toujours comme l'essentiel de ma routine quand même assez similaire. Puis quand même the same. That's the point of a routine. Puis, oh my god, ok, j'ai acheté cette crème-là à la pharmacie. J'ai oublié de vous le montrer dans mon haul. Obsess, c'est la crème au lait collagène. Pour vrai, j'ai juste entendu des bons commentaires sur leur crème puis leur gel de douche. Puis, j'achète aussi le gel de douche. Il est
débile mentale. C'est une fille sur TikTok qui en parlait full de ce gel de douche-là. Puis, c'est ça, ça fait longtemps que j'utilise les produits au lait, comme vous savez. J'ai déjà même collaboré avec eux dans le passé. Puis, ouais, c'est ça, je suis vraiment contente parce que j'aime vraiment la crème. J'ai oublié de vous dire, j'ai fait mes décos de Noël. Je vais vous les montrer parce que je pense pas que je les ai montrés encore sur le blog. Fait que je vous montre ça. Here's the little Christmas setup. J'aime tellement notre sapin besties. Vraiment plein de détails. Puis, je sais pas si j'avais montré dans le vlog nos cadres. J'attends Black Friday pour en commander d'autres puis vraiment faire toute la section. Mais je suis vraiment excitée à date de quoi que ça a l'air. Je trouve ça tellement beau. J'aime vraiment, vraiment le look. J'aime ça voir nos photos de mariage avec le luxe. Je trouve que ça fait super beau. Fait que c'est ça. On a déplacé aussi les meubles, comme vous saviez avant. On avait la chaise qui était là. Là, on en a juste une. Je vais vous montrer où ce que je l'ai mis. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu de tout. J'ai aussi des petits bonhommes de même, full cute, des flocons. Puis je veux continuer à acheter plus des ornements individuels parce que j'ai comme vraiment la base que j'ai acheté l'année passée. C'est la deuxième année que je fais mon sapin. J'ai même rajouté des petites brindilles gold dedans. J'aime vraiment ça. Ça rajoute un petit quelque chose. Mais c'est ça, j'ai comme les lots, si on veut, de boules. Puis là, je vais acheter plus des trucs spéciaux. Tu sais, comme mettons ça, c'est une clé de maison que la mère Agathe nous a acheté ben l'année passée, en fait, parce que c'était comme notre premier Noël dans notre nouvelle maison et tout. Fait que là, c'est ça, tu sais, lui est vraiment différent parce qu'il y a des petites billes dedans, puis j'en ai un autre, ouais, c'est ça, celui-là, une forme différente, celui-là, le banff. C'est comme pas mal les seuls que j'ai qui sont plus individuels, sinon ça fait toute partie comme d'un lot de boules. Fait que là, je veux rajouter des trucs qui sont comme des trucs de voyage, des souvenirs, des trucs personnalisés. Je rajoute tout le temps des petites brindilles aussi, comme ça, c'est des feuilles que je fais juste piquer dans mon sapin. Puis je trouve qu'un sapin qui est vraiment comme luxueux, j'aime ça rajouter des rubans, je veux que ça ait comme like a luxurious feel into it, puis tout est vert doré avec un peu de brillant blanc, un peu argent, mais comme plus brillant que juste plain silver. Ça fait vraiment bien avec le reste du salon. Fait que là, on a déplacé la chaise ici, comme l'année passée. Puis les deux petits poufs que j'avais ici, là, j'en ai mis un là en ce moment, mais je pensais peut-être les mettre devant le foyer. Puis ça, c'est en fait un apothicaire. Et le but, c'est d'en avoir plusieurs vases comme ça avec des petits villages à l'intérieur. Je trouve ça tellement cute. Fait que je vais vous montrer, j'en ai d'autres qui sont en préparation. J'ai acheté au HomeSense, puis moi puis Gab, on se fait des petites scènes à l'intérieur. On trouve ça tellement cute. Au lieu d'avoir comme un village de Noël, je veux plein de vases qui ont comme des histoires dans chaque vase. Moving on ici, j'ai changé l'image de ma Apple TV, en fait de ma Frame TV. Je me fais souvent demander c'est quoi une Frame TV. En fait, c'est une télé qui est extrêmement mince. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur. C'est mince, mince, mince comme un cadre. Le but, c'est que ça ait l'air d'un cadre. C'est fait pour s'accrocher au mur comme un cadre. Et vous pouvez avoir le modem comme complètement dans une autre section. C'est comme sans fil. Moi, j'ai décidé de faire dans le mur, j'ai un trou pour ceux qui sont là depuis longtemps dans les vlogs, parce que je voulais être capable de la tourner, cuisiner, la bouger comme je veux. Mais c'est une télé qui est faite pour lay flat on a wall, sans que vous ayez à faire un trou dans le mur comme moi j'ai fait. Je vais vous montrer le reste. Ça, c'est des petits crochets que j'ai pris à un événement l'année passée. J'étais allée à un événement de Princess Polly, je sais pas si vous vous rappelez, puis il y en avait des crochets comme ça, puis ils m'ont dit que je pouvais aller. Je leur ai demandé, est-ce que vous en avez besoin? Vous allez les jeter, puis ils m'ont dit, on va pas les garder. Fait que j'ai pris 3 crochets, un pour moi, Gab et Milo. Fait que dans le fond, ça, c'est nos bottes de Noël. La guirlande de boules, en fait, je l'ai achetée au Canadian Tire. Puis les brindilles, ça vient tout du Dollarama. Celle-là, ça vient du HomeSense, puis c'est moi qui place comme les brindilles, ça vient du Dollarama, les petits serres de Noël. Puis ça, j'en ai acheté 3 aussi, pour moi, Gab et Milo. Fait que ici, vous pouvez voir un peu brindilles du HomeSense. Ça c'est... Oh, mon Dieu, Seigneur. Ah, oh, classique. Classique me. Là, je viens de remarquer que j'aime plus ce côté-là que comment j'ai fait ce côté-là. Fait que je vais l'ajuster. Puis j'ai choisi cette image-là parce que ça représente l'automne et l'hiver. Comme vous pouvez voir, il y a comme les couleurs d'automne. Puis dans le fond, il y a des montagnes avec la neige. Fait que c'est comme mon image de transition. Puis quand ça va être vraiment tout blanc ici, je vais mettre une photo qui est comme plus hivernale. Mais là, en ce moment, on est comme entre deux. J'avais fait l'année passée, c'est mon beau centre de table. Je l'aime vraiment. Puis j'ai souvent des compliments de mes invités lorsqu'ils viennent le voir. En fait, c'est un pot que j'ai acheté en solde au HomeSense. Il est comme un peu chippé, mais c'est vraiment plus mon vase de Noël. Puis toutes les brindilles, c'est comme ça, ça vient de chez HomeSense. C'était comme un paquet que j'ai acheté justement, que j'ai splitté. Tout le reste, ça vient du Dollarama. Fait que j'ai acheté comme des brindilles un peu argent, des gold. Je sais pas si ils vont être dans ce vlog-ci ou l'autre, mais j'ai commandé un tapis pour mettre en dessous ici. Ça fait longtemps que je voulais un tapis en genre de rotin pour mettre dans cette section-ci. J'ai toujours trouvé que ça fait vraiment cosy un tapis sous une table à manger, mais je voulais un tapis qui était un effet plus justement rotin en genre de paille tissée.
Je veux commander aussi des coussins, et ça, je suis encore en train de magasiner parce que je cherche comme des longs coussins pour mettre sur la banquette. Je vous ai montré notre album qu'on a reçu aussi, notre album de mariage dans l'autre vlog. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué justement, puis je suis comme un peu en retard dans mon vlogging schedule. Mais c'est ça, c'est notre album avec nos photos de mariage. Il y en a, tu sais, je skip les pages, je voulais vous montrer cette page-là, c'est ma page préférée, je l'aime tellement. Et on le met ici, with the coffee table books. Ouais, les loups moumou. Puis j'ai commandé une autre affaire. Ça aussi, je suis vraiment excitée. Un jour, puis je faisais des tests justement avec cette petite table-là qui est au sol normalement. Mais j'ai commandé un meuble d'entrée pour ici. Puis j'ai patché des trous. Puis là, il faut que je sable ça ici. Comme vous savez, on a enlevé le garde-robe qui était ici pour se faire cette petite section-là que j'adore. Mes invités, ça soit tout le temps ici. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus que j'ai fait. Parce qu'avant, c'était un garde-robe, j'ai un petit hall d'entrée. C'est vraiment, vraiment pratique d'avoir fait ça, sincèrement. Si vous avez juste comme un garde-robe dans votre entrée puis que vous n'avez pas nécessairement de place, je vous recommande fortement. Tout seul, je voulais vous montrer les petits updates. J'ai fait des petites décos de Noël au piano. J'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai rajouté une petite jetée blanche pour faire un peu plus Noël. Puis pour le foyer du sous-sol, je veux rajouter plein de chandelles ici parce qu'il faut qu'on fasse ramener la cheminée, tout ça. Je pense qu'elle a été comme condamnée ou vraiment pas utilisée depuis des années. Puis je veux l'utiliser pour pouvoir faire un feu naturel. En haut, c'est au gaz. Ici, c'est foyer naturel. Faut juste qu'on handle the situation, qu'on soit certain que ça fonctionne, la cheminée, etc. Mais j'adore cette section-là. Fait que le sous-sol dans la maison, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. On a vraiment des hauts plafonds en bas. On a du 9 pieds en bas. C'est comme un sous-sol qui est fait un peu plus haut que normal. Fait que j'adore notre little area. Donc, c'est ça. Là, ici, comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça, the little TV setup. Puis là, Gab, il s'est fait un coin football ici parce qu'il était vraiment tristounet de ne pas avoir un coin pour mettre toutes ses affaires de football. Puis il continue de l'installer, mais comme vous pouvez voir, il y a son cadre des carabins. Il a joué 5 ans pour les carabins. Fait que ça, c'est son chandail. Puis on pensait l'accrocher là. Couple compromis parce qu'au début, guys, ils voulaient mettre ça en haut, puis c'était impossible que ça monte dans mon MySpace. Fait que pour le sous-sol, je trouve ça moins pire. On va le mettre ici, ça va comme être son petit coin, son petit little corner football. Puis à chaque fois qu'on a de la visite, il est comme, regardez, ça, c'est mon 2 pieds de football. Puis il est full content, il adore le sous-sol. Le sous-sol, c'est comme vraiment l'espace à Gab. Ça, c'est une table de bumper pool pour ceux et celles qui savent. Ça se lève, puis on peut jouer au bumper pool. C'est a type of pool. Et ça, c'est un code que je vous ai montré, j'avais ramassé aux poubelles. J'étais en train de mesurer pour faire imprimer la photo dessus. Ici, on a nos deux portes en arche qui sont, dans le fond, authentiques. Là. C'est vraiment des... qui sont d'origine, c'est ça que je veux dire. Des arches des années 70. Puis je trouve ça vraiment cool que ça soit revenu à la mode, les portes en arche, parce que moi, j'ai des arches partout dans ma maison qui datent justement des années 70. Comme vous savez, j'ai comme 3 grosses arches en briques dans le sous-sol qui sont en vraie brique, puis qui sont vraiment magnifiques. Je les adore, honnêtement. Au début, je voulais les peinturer, mais on dirait que plus que j'habite ici, the more I kind of grow to love them and to love the original brick color. Puis on reçoit beaucoup de compliments pour les gens aussi qui aiment notre maison parce qu'en haut puis en bas, il y a quand même the same kind of energy and vibe parce qu'il y a des éléments décoratifs qui se répètent, mais en même temps, c'est quand même deux vibes différents. Puis c'est ça que j'aime aussi, ça fait quand même unique de notre maison. Good morning, besties! I'm getting ready pour mon bestie event. Puis là, j'étais en train de faire ma base et honnêtement, j'ai essayé beaucoup de fond de teint, puis j'ai vraiment mon best combo quand vous voulez un long lasting foundation routine. Premièrement, skincare prep, tout le temps, vraiment, vraiment important. Et ensuite de ça, pour vrai, j'ai beau essayer un million de fond de teint, je reviens toujours à mon double wear foundation parce que je trouve que c'est le seul que je peux mettre vraiment toute la journée. Je peux le mettre genre 10 heures de temps, puis après 10 heures de temps, ma face est encore intacte. Tandis que j'aime beaucoup aussi celui que, je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais j'aime beaucoup le fond de teint de Armani Beauty. Puis en plus de ça, j'ai été à leur event. C'est juste que je trouve pas qu'il est autant long lasting. Comme il est parfait si tu en vas juste souper ou quelque chose qui dure comme court, mettons 2-3 heures. Mais si vous avez comme a big day, beaucoup d'événements, ou même pour le bureau, puis vous voulez être all day full face, que ça bouge pas, ça c'est the best. So this is almost the final makeup look. Il reste à faire mes yeux. Mais ces temps-ci, j'aime vraiment ça mettre juste du mascara. Et je mets tout le temps du bronzer sur mes yeux. Ça c'est comme un must. J'ai besoin de mettre du bronzer sur ma paupière. J'ai juste l'impression que utiliser mon bronzer puis mon blush sur mes yeux, ça fait vraiment que le look est comme tout tie up together. Ça fait quand même naturel parce que ça blend avec ce que j'ai déjà mis sur mon visage. Fait que ça, c'est vraiment un truc que j'aime faire. D'ailleurs, je porte un chandail que j'ai acheté en Grèce. Oh, je crave tellement d'être en Europe en ce moment. I am ready, besties! Je vais vous montrer mon outfit, ok? Je suis toute en bleu. I'm manifesting butterflies.
That's the look for today. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je m'en vais à l'atelier avec Gab. On va finir de setuper la bouffe, toute setuper. Je vais vous montrer. Puis j'ai vraiment legit des papillons dans le ventre. So happy, so excited. J'ai vraiment hâte. Fait que je vous amène avec moi. Retour à la maison and the event was just amazing. J'ai quand même eu une grosse journée, mais c'était tellement le fun, tellement énergisant, tellement wow. J'ai écrit une caption sur Insta juste pour essayer de démontrer ma gratitude, comment je suis reconnaissante, comment c'était juste fou. Passer du temps de qualité avec vous, je voulais éditer le vlog que vous écoutez en ce moment live et le poster, mais je pense que ça va là demain, lundi, jour que vous voyez ce clip, parce que je suis quand même dead. Pas de l'événement en tant que tel, l'événement ça m'a tellement donné un boost d'énergie pour la semaine, mais plus de comme toute la préparation, puis là, je sens que je peux comme chill and relax. Alors je vais me faire une petite tisane, puis relaxer à la maison, puis on se rejase. Such a cold day today, besties. Je vais me faire un tea. Oh my god, on gèle. It's the season again. Je pense que... Est-ce que je me fais une camomille? Un petit thé au citron. By the way, je suis en train de préparer un little gift guide pour mes favoris Amazon. Parce que ça vient du Amazon, ça vient du Amazon. Et KitchenAid, c'est la marque de toutes mes appliances à la maison. Je sais pas pourquoi c'est autant... Ah, c'est ça, c'est mon ampoule qui est jaune. J'étais comme, c'est vraiment jaune. Mais j'ai mis des ampoules un peu plus effet chaleureux. Ça sort weird en caméra, mais bref, je suis en train de me faire a little tea, puis il fait déjà noir. Oh my god. Oh non, je pense que j'ai essayé ça, ma nouvelle petite tasse trop cute que je vous avais montré l'autre fois. So cute, I'm gonna make mon petit thé, puis pour vrai, je trouve tellement que c'est un cute cadeau à offrir à quelqu'un. Un, cette bouilloire-là, je l'adore, elle va tellement bien, puis elle fit vraiment dans mon décor. Et ça, si vous connaissez quelqu'un qui boit du thé, it's the best just to organize all your teas, puis quand tu hosts, tu peux juste laisser ça comme sortie. Je mets des petites biscottis, puis ça fait vraiment un cute little setup pour un petit thé station. Ok, besties, I just finished work. Je viens de me faire mon thé, comme vous avez vu. J'étais en train de hang out by the fire avec Milo. Legit, j'étais couchée à terre en train de le coller puis de lui donner un million de becs puis de le gosser parce que je le trouve tellement cute, je l'aime tellement. Ça n'a pas de bon sens comment les animaux ça nous amène du bonheur puis ça nous fait du bien. Puis c'est ça, je voulais vous faire une petite jasette avant de conclure le vlog. Premièrement, what a week, incredible week, grosse préparation justement pour l'event parce que je voulais vraiment vous host comme je host chez moi. C'était wow! Les mots me manquaient, j'étais tellement contente, ça m'a tellement donné un beau boost d'énergie, d'amour, everything I needed, everything I want and need. Je travaille déjà sur les prochains concepts que j'aimerais faire, j'ai pris des notes aussi des filles qui étaient là à l'event, qui m'ont dit genre, oh, ça serait vraiment nice si tu faisais ça, si tu faisais ça. Fait que tu sais, ça m'a comme vraiment donné, mon dieu, désolée, j'avais comme tous les cheveux pognés dans le hoodie. Ah, all the hair are there. Alors c'est ça, ils m'ont donné plein d'idées, d'événements. On s'est même fait un groupe après l'événement pour garder en contact parce qu'il y a des filles qui voulaient hang out, juste envoyer des bons matins. C'était tellement hot ce matin, j'ai reçu dans le groupe, il y a une des filles qui était comme « Bonne journée, besties, Anna. » It was just such a good energy. Et c'est pour ça que j'aime mon épisode, puis mes épisodes en fait de mon podcast. C'est parce que le podcast, c'est vraiment comme cozy, on jase ensemble de plein de sujets, on est des virtual besties. On fait la conversation sur plein d'affaires, puis c'est ça. Come here, Mimi! Mimi! Il fit, maman. I love you so much. Fait que c'est ça, je voulais vous dire que c'était tellement wow comme event, tellement parfait. Puis on est en train de juste chill dans le salon ensemble, and we're chilling with you guys after work. Oh, ça fait tellement du bien de comprendre le moment, puis le temps de décompresser après le travail. Je vais me mettre à faire le souper, faire du lavage, faire des petites tâches. J'ai déjà hâte de vous voir aussi dans le prochain épisode du podcast, n'hésitez pas à me suivre là, et vous voir dans le prochain weekly vlog. J'ai hâte de vous montrer les nouveaux meubles que je vais recevoir, je vais vous parler un peu des voyages qui s'en viennent pour moi, comme là je vous ai dit vite vite, mais je pense que je l'ai dit sur Instagram, je m'en vais en Floride avec toutes mes siblings, my whole family, we're a whole group, a whole gang, it's gonna be so much fun. J'ai hâte de vlogger ça, ça va être un crazy vlog parce que ça va être un voyage de party. Puis en plus de ça, vous allez voir toutes mes siblings. Puis s'ils acceptent de take over the vlog, ma batterie de caméra de vlog est morte. Je déteste vlogger avec mon sel en plus. Mais vous pouvez voir que Milo est retourné hang out by the fire. Puis j'étais en train de vous dire que j'ai hâte de vous vlogger le voyage avec toute ma famille. Fait que sur ça, je sais pas où regarder, ben j'ai tellement habitué de vlogger qu'une caméra. Je sais qu'il y a des gens qui vloguent juste avec leur iPhone, j'ai aucune idée comment ils font. Parce que moi, je sais pas où regarder, je regarde là, je sais pas. Fait que ça se peut que je louche. Je sais vraiment pas où regarder, à qui je parle.
j'arrive le geek mensuel, mais je vais au moins faire la conclusion. Merci tellement pour tout votre amour. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous et on se revoit dans le prochain. Bye besties.